Bonjour à toutes et à tous, vous êtes de nouveau sur IRM.radio dans l'émission Bonjour chérie, une tendre matinale, on parle de l'amour, de pouvoir de séduction, on découvre qu'est-ce que c'est une vraie féminité et on découvre et on étudie les problématiques de couple et on trouve les solutions ensemble, comment mieux gérer votre couple et être heureux en amour. Avec vous, c'est toujours moi, Olga. Coach en séduction et fondatrice de Bonjour Chérie, les cours en ligne sur bonjour-chérie.fr. Et je suis en compagnie de Arnaud. Bonjour Olga. Bonjour Arnaud, tu vas bien ? Ah, ça va très bien. J'ai préparé quelque chose pour nous. On va découvrir. Et de notre cher Tekos qui nous donne leçon et bonne image. Bonjour Tekos. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien tous aujourd'hui parce qu'on a quelques sujets intéressants pour vous. Je vous rappelle que vous pouvez également revoir nos émissions sur Twitch et notre chaîne YouTube. Je veux encore, à l'occasion de la Journée internationale de la femme qui s'est passée récemment, je souhaite encore féliciter toutes les femmes parce que je pense que c'est une chance d'être une femme et je vous souhaite être les plus belles et les plus aimées. Et vous pouvez revoir notre émission qui est dédiée à la Journée sur notre chaîne YouTube et vous pouvez découvrir qui sont vraiment les femmes remarquables du monde. Vous pouvez savoir comment Anna Wintour est devenue chef de rédactrice de Vogue, qui a inventé 8 filles et qui était la première réalisatrice du cinéma française. Donc je vous laisse découvrir sur notre chaîne YouTube IRM Radio. Bonjour chérie. Mais aujourd'hui on a encore les sujets plus passionnants et très, peut-être, je ne sais pas si on peut dire comme ça, sensuel. Si le mot glamour, est-ce que ça vous dit quelque chose? Glamour et amour. Est-ce qu'à votre avis, il y a le lien ou c'est juste la proximité phonique? Glamour et y a amour. Deux choses. Non, il y a deux choses différentes. L'amour, c'est de l'amour vrai. Le glamour, c'est quelque chose de trafiqué pour moi. Trafiqué. Après, je sais pas ce que vous pensez, hein, mais pour moi, c'est le côté trafiqué. L'amour est un sentiment, le glamour est de l'esthétique. Donc, c'est deux choses différentes. Ouais, d'accord. Donc, j'ai cherché. Oui, mais est-ce que ça existe vraiment, le glamour? Et la question est, quand je cherchais la définition, est-ce que c'est en rapport avec l'argent? Parce que sans argent, pas de glamour. Ah, avec le côté fastueux, ouais. Ouais, pas bête. Sans argent, pas de glamour. C'est peut-être ça, le mot de la journée. Ça correspondrait avec une sorte de richesse esthétique, du coup. Bah oui. D'extérieur, en tout cas. Oui. Ouais. J'ai cherché la définition du mot glamour. Donc, il est défini comme un charme sophistiqué dans le domaine du spectacle et de la mode. Et sophistiqué, oui, ça, c'est quelqu'un qui se distingue par son allure recherchée et artificielle. Donc, on peut dire que oui, glamour, c'est le charme. C'est également associé à des mots comme sensualité, élégance, splendeur, éclat et le prestige. Donc, on peut très bien associer à l'argent, comme tu dis Arnaud, et aussi au côté esthétique, beauté. Et également, peut-être à l'amour, si on parle de sensualité, de la séduction. Ah bah, on aime bien, c'est les couples glamour. Moi, j'aime bien. Enfin, c'est le côté voici, gala, etc. Ouais, Festival de Cannes pour le ciné, les Paris Fashion Week, les trucs comme là, ça. Là, on a l'impression qu'ils sont super heureux, etc. C'est des couples comme ça. Et puis, 3 mois après, ils sont plus là. Ils sont plus là. Mais il y a des belles photos. C'est des belles photos à chaque fois. Moi, l'incarnation en fait, du couple glamour en ce moment, c'est Arnaud Lagardère et c'est Jed Foray. Ah voilà. Oui. Est-ce que tu peux... J'ai regardé, c'est un mannequin beige.
sais pas si elle était belge, je sais qu'elle est grande, très jolie, elle doit avoir 38-39 ans je crois maintenant, elle est avec un industriel, Lagardère, enfin c'est pas un industriel, mais enfin... Oui. Un homme d'affaires en fait, plutôt très important, et comment dire, dans les réseaux sociaux, ils existent et ils jouent ensemble. Là par exemple, je sais plus, souvent il y a des fois où ils vont ne plus être ensemble, etc. Et ils jouent ensemble en fait derrière avec ce, avec ça. Avec ils leur, jouent avec, avec l'image leur, de leur, leur Twitter ou des choses comme ça, voilà. Et on ne sait pas si ça vacille ou si ils vont rester ensemble, voilà. Mais c'est un couple, c'est un couple glamour. Ils ont trois enfants, Jean-Gabriel. Ils ont trois enfants. Ah ouais. Oh, bah il faut qu'ils restent ensemble, c'est important. Ouais. Mais je pense que j'ai regardé leur photo et pour moi il y a certaines complicités entre eux, même si on voit il y a une fille très grande, elle fait 1m82 je crois, et lui visiblement un monsieur en toi, t'es combien, plus combien petit. De, combien de mètres toi? 2m30. 1m83. Ah, bah, d'accord. On l'appelle la Tour Eiffel dans le milieu du mannequinat. Ah, ouais. D'accord. Mais je pense t'es que... T'es une jet forêt, toi. Moi aussi, en Bédombo. Je préfère rester au Ligal. En plus jeune. En plus jeune. En plus jeune. En plus jeune. Mais c'est vrai que même si parfois, je pense qu'il y a des couples, il y a une femme très grande, très belle, un homme peut-être est un peu plus petit en termes de taille physiquement, mais justement sa prestance et le fait qu'il y a un homme d'affaires, ça, ça, en fait, ça, on ne voit pas trop excitant. La différence. Mmh. On ne voit pas, et ça peut-être paraît un couple très harmonieux. Mmh. Mais alors, pas... le fait qu'il soit plus petit, ça ne te dérange pas? C'est pas... Non. Moi, si mon partenaire est un peu plus petit, ça me dérange. Et même si c'est le cas, ça ne me dérange pas du tout. Parce que la grandeur d'un homme s'exprime autrement, je pense. Ah. Et ou à un autre endroit. Et tu regardes beaucoup les couples glamour, les galas, les Paris Match, c'est un peu mieux. C'est un peu... Il y a une qualité derrière pour écrire. C'est vrai que moi, je me suis renseignée sur les couples glamour, justement, entre les célébrités. Est-ce qu'il y a vraiment les couples qui sont heureux et qui durent? Ben oui. J'ai regardé, par exemple, le couple de Meryl Streep avec son mari. Leur mariage, ça dure 41 ans, même si elle est une star. Oui. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre comme exemple? Julia Roberts avec son mari. Son mari qui n'est pas célébrité, mais c'est un homme... je ne sais plus dans quel domaine, mais ça dure aussi leur couple. Ou Anne Hathaway avec Adam Schulman, qui est sculpteur. Aussi, il y avait Brangelina, ils étaient connus. Brad Pitt. D'accord. Oui, ça a duré, c'était marrant. Ça a duré. C'est fini. Quel dommage. On avait Tom Cruise et Katie Holmes à un moment. Et puis ça marche pas, quoi. À chaque fois, ça marche pas, quoi. Et t'as des nouveaux couples à ce moment-là qui reviennent. Voilà. Des autres personnes. Après Marion Cotillard et Guillaume Canet. Guillaume Canet en France, ouais, effectivement. Ah oui. Un couple français, peut-être l'un des plus connus. Mais bizarrement, sans vouloir être méchant, je trouve que Guillaume Canet et glamour, ça rime pas. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas le. Quand tu dis Brad Angelina, tu vois, il y a un gimmick, tu vois, t'as le surnom. Guillaume Canet, Marion Cotillard. Bon, Marion Cotillard fait. Mais alors, le prénom et le nom Guillaume Canet, ça ne fait pas rêver. T'envoies pas ça à l'international, quoi. C'est pas possible. Je sais pas. Moi, je pense pas. Non, moi, je pense pas. Je sais pas, on voulait l'inviter. C'est dommage. Ah. Oups. À votre avis, est-ce que c'est justement leur côté glamour, vu que ce sont les gens connus, les célébrités, que parfois, c'est le glamour qui peut justement détruire le couple, parce qu'on a envie de paraître glamour pour les autres, et ça peut empêcher d'être soi-même pour être heureux en couple. Mais tu considères que le fait d'être glamour, c'est un risque ou un danger plus important? Je ne sais pas si important, c'est à chacun de le gérer, mais peut-être oui, justement, c'est un risque et un danger pour le couple. À cause de l'exposition, je suppose. Le fait d'être exposé d'une manière assez fake, assez... banal en fait. Et pour pour les tromperies, voilà, en fait, on les voit plus facilement, c'est ça? Aussi. Parce qu'il y a des paparazzi qui disent tiens, mais, il n'est pas si glamour que ça. Mais dis donc, il sort d'un Starbucks avec la femme de la semaine dernière, dis donc, c'est normal ça. C'est ça. Donc on va voir aujourd'hui quelles sont vraiment les clés de bonheur en couple un peu plus tard. Et là, on voudrait parler de glamour, parce que glamour, ça fait aussi la sensualité, sexualité d'une femme. C'est vrai que pour
Surtout, on rêve toujours d'une femme très belle, bien soignée, quelqu'un qui donne envie, qui suscite le désir. Et je crois, Arnaud, tu nous as préparé la chronique sur le fait d'être sexy pour une femme, le lingerie. Je souhaite juste dire que c'est pas moi qui ai choisi. Hein. On a choisi pour moi le sujet, oui, n'est-ce pas hein, bah, j'espère que ça t'a plu de traiter ce sujet. Oh, ça a été génial en fait, mais je vous ai imaginé, jeune fille, Olga, je vous ai vu, je me suis la voir comme ça pendant l'émission, comment dire, en maillot de bain, bon, on n'est pas Victoria's Secret ici. Ah non, bah oui, mais ça, comme on fait pas d'argent, du coup, j'ai pu comprendre que du coup, voilà, on peut pas t'avoir. On n'avait pas le budget. Mais voilà, c'est le budget. Bah oui. Et oui, la lingerie, la fête du slip, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'était très agréable, le pouvoir de la féminité, l'essence féminine, c'était très beau, c'est bon. Pourquoi prendre pour faire de la lingerie un cadeau? Un cadeau, déjà, ça peut être très intéressant, non? Si un homme fait un cadeau à alors, une femme... Alors, justement, la mais la déjà, question, comment c'est... connaître la taille? Parce que pas tout, on peut choisir une bonne taille. Y a ça, mais en général, ton compagnon, chéri, normalement, il connaît ta taille, non? Oui, mais même s'il m'a vu, je pense pas... je pense qu'il va avoir du mal de choisir une bonne taille. Ça fait très film américain, parce qu'on a des films américains des années 90, ils aimaient bien les comédies romantiques. Le mec qui offre dans la grande boîte avec le petit nœud papillon, enfin le petit nœud de papier cadeau, machin, avec le dessous en dentelle et tout, et tu fais... Ils sont trop forts, ces Américains. C'est du 95B, elle fait du 90C. Il est trop fort, le mec, ça se voit. Il y a un problème, quoi. Enfin, mais... c'est trop fort, quoi. Alors, justement, on dirait, il y a la chérie, enfin, ton copain qui donne un cadeau, etc. Mais on se rend compte aussi, c'est entre filles, quelquefois. Alors, je ne sais pas si vous le faites, mais est-ce qu'entre filles, vous donnez un cadeau, notamment de la lingerie? Jamais. Ah tiens, regarde, j'ai trouvé, c'est ça, regarde cette taille, ou regarde cette marque utilisée, tiens, je t'en fais profiter. T'as pas ça entre filles, non? Jamais j'ai eu ça. Jamais j'aurais envie d'offrir lingerie à une fille. C'est 11%. C'est 11% vrai, des ventes pas. Entre filles. Ah bon? C'est pas grand, t'en as sur 100, t'en as 11, je crois, entre 10 et 11, pas plus, mais ça se fait. Au travail, est-ce que tu donnerais à ton patron hein, est-ce que ton patron dit tiens, voilà, t'as eu des bonnes ventes, tiens, on va te donner la lingerie. Ceci est un dépôt de plainte pour harcèlement sexuel de la part d'Olga pour Arnaud. Ça dépend, dans le monde des médias, ce serait normal, non? Non, plus maintenant. C'est intime pour très patron. Intime. Non, maintenant. Oui. Combien voilà. Pourcent il y a les gens qui offrent travail, non, je n'ai pas vu. Par contre, on a le mari qui achète, dans ce cas-là, deux lingeries. Un pour sa femme et une deuxième pour l'amante. Voilà, la maîtresse. Non, mais c'est vrai. Oui, j'ai vu ça. Il y a 14%. 14%. Donc au moins 14% des hommes ont des maîtresses. Qui ont fait ça. Qui ont fait ça. Voilà, il y avait ça. Bah oui, parce que c'est vrai qu'il a raison, en fait, la personne qui fait ça. Pas de jaloux. Au moins pour sa femme. Au moins. Oui, non, quand c'est un homme qui fait cadeau pour sa femme, oui, c'est très agréable. Oui, au moins, il choisit ce qui lui plaît. Les deux en même temps. Non, mais j'espère qu'il n'y a pas quand même autant des hommes qui ont des maîtresses. Ils ont pas. En tout cas, dans ce que j'ai pu voir, le côté féminin, enfin les people féminins, apparemment, la tromperie, ça existe souvent. C'est pas il fut un temps, on offrait des roses. Ils augmentent les statistiques. Pour ça, il faut qu'un homme choisisse la plus belle beau lingerie pour sa femme, pour ne pas avoir envie de tromper. Alors. Tu vas peut-être me demander pourquoi, quels sont les effets pour les hommes, la lingerie. Oui. Hein, pour les... c'est kiffant. Déjà, rien de regarder en fait, derrière et préparer l'émission, c'était déjà l'extase. Tu t'es excité, Arnaud. Pas tout de suite, tout de suite. Je vais regarder l'émission encore après. La première étape, c'est les préliminaires. C'est très agréable en fait, de jouer jeu de vilain. Jeu de malin. Jeu de main, jeu de vilain. Et jeu de malin aussi. Ah bon? Il faut être malin. Ah oui. C'est pas fait. Là aussi, oui. On voit aussi dans les films, tu vois, ils sont en train de faire l'amour
et forcément elle reste avec ses sa lingerie en fait. La fille fait exprès également d'exciter un peu l'homme derrière, et elle reste aussi en talons. Alors que dans la vie réelle, normalement, il n'est pas. Dans la vraie vie, non. Il n'est plus en talon. Tu laisses, non, tu sais pas. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, mes chéries, comment allez-vous? On a Jennifer qui nous rejoint. De la lingerie. De la, ça fait bégayer, quoi. Ah oui, on a une chronique excitante. Alors, est-ce que tu ferais ça? Tu fais ça ou pas? Donc, tu restes en lingerie, ça existe. Oui. Mais est-ce que tu restes aussi en talon en même temps? Parce que ça, c'est kiffant. La lingerie plus les talons. Pour ajouter une photo, oui, mais pas dans la vie quotidienne. Oh, bonne réponse. Je plains ton copain. Voyons, Arnaud, pour les positions inconfortables, si je gardais les escarpins, je marcherais dessus, quoi. On peut blesser. Hein. Oui, c'est dangereux. Hein. Alors, on a le côté excitant, le côté secrétaire, coquine, le côté fétichiste aussi pour les hommes avec la lingerie. Il y a un truc très intéressant, c'est les chiffres. On a un contexte de pouvoir d'achat en baisse dans le textile, sauf dans la lingerie. Ah, évidemment. Dans la lingerie, ça cartonne. Le rôle de Etam, par exemple, ouais. Vous connaissez Etam ? Bien sûr. Qui fait en sorte qu'en 2020, plus de 60% de ses ventes mondiales seront de la lingerie. Ils sont à la conquête du marché chinois. Mm-hmm. Je pense à toi. Chier. On a une sorte de modèle féminin qui défend les femmes libres et indépendantes. Un marché qui est en perpétuelle évolution, où on a l'impression que la femme est complètement différente et tout est possible. Vraiment, c'est un marché en mutation en permanence, et c'est très très efficace au niveau du marketing. Après, j'ai mis quelques photos, parce que c'est surtout ça, c'est important. J'en vois là sur la tablette. On pourra regarder. Et puis, vous allez m'aider sur quelque chose, notamment sur les noms des bodies ou des. Pas forcément des marques. Mais les noms des styles. Y a des fois, je ne sais pas la différence, par exemple, entre. Ça, j'adore. Entre un string. Et un tanga. String, c'est... Dans le string, il y a moins de matière. Oui, mais le tanga, il y a pas beaucoup le de matière aussi. Le tanga, c'est juste un fil, en fait. C'est vraiment très, très fin. Je crois que c'est ça, le tanga. Non, je crois au contraire, tanga, c'est un peu plus... Tu vois, en fait, il y a un moyen très simple de différencier le tanga du string. On a un expert. Non, je ne suis pas expert, mais je m'y connais un peu quand même. J'ai bossé le sujet. S'il vous plaît, commencez pas. Non, en fait, le tanga... ne recouvre que la partie inférieure, non, la partie la partie inférieure de la fesse, c'est à dire qu'en fait tu as t'as le côté extérieur, donc tout ce qui va être éloigné de l'orifice anal, pour parler crûment, et tout ce qui est plus près, effectivement, c'est l'orifice anal. Non, mais voilà, c'est pour t'expliquer qu'en fait voilà, le tanga, c'est le côté. C'est pas, ça sépare pas en deux, ça recouvre juste une partie, ouais. et ça évite le désagrément du string, où c'est vraiment au milieu et ça peut être dérangeant pour beaucoup de femmes. En tout cas, le string la tanga, tu peux être l'intérêt, c'est d'être incontestablement sexy, ouais. Ça c'est certain. Il ne marque pas le string sur la peau. Non, il a raison, il marque pas, par contre sur un vêtement moulant il se voit. Ah oui, si tu mets une culotte par exemple, tu rentres chez toi, espères, en général Olga, t'as des... On poteste le sujet, les gars. C'est lingerie aujourd'hui. Arnaud, t'as l'expert, je t'ai dit t'avais choisi le bon sujet pour sensation de liberté incomparable. Ça fait un joli fessier en général avec un string. On les voit sur toutes les tailles. Et Arnaud, côté... je vois que tu as sélectionné tes photos avec beaucoup de soin. Il y a le côté écolo aussi. Écolo ?
Oui. Pourquoi ? Écolo. Ah, écolo. Ah bah parce qu'il n'y a pas de matière. Il y a moins de tissu. Mais je peux t'ajouter aussi, oui. C'est incontestablement pas confortable. C'est pas confortable. Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout confortable. Ah, la ouais. fille je d'accord. Reconnais. Bah parce que vous êtes pas les bonnes, vous n'avez pas choisi les bonnes. Non, c'est parce qu'on a l'habitude d'emporter dans le monde du mannequinat, Olga, je pense oui, que tu me comprends. Oui. On est obligé d'emporter pour que les vêtements soient tombent le plus naturellement possible. Et c'est pas du tout confortable. Tu sens quelque chose qui te rentre dans l'arrêt, quoi, ça vous fait quoi les filles quand vous êtes ensemble entre filles de lingerie des strings parce que t'as le vêtement classique tu vois de et puis après là ça quand, m'est jamais arrivé quand vous êtes tous ensemble quand vous êtes, t'as jamais été tous ensemble derrière non c'est-à-dire tous ensemble quand vous êtes mannequins tous ensemble il nous parle de ses fantasmes, oui oui et ben alors on n'a pas le temps de regarder l'autre puisque ça va tellement vite un défilé que le créateur il t'arrache les vêtements, il te dit vas-y tiens mets ça. Oui, tu crois que j'ai le temps on a le temps de regarder les autres filles. Je voulais dire c'est sexy, c'est esthétique, c'est très beau, mais c'est pas du tout confortable. Exactement. Anthony, est-ce que t'as trouvé un tanga ou un string quelque part? Non, j'en ai pas mis parce que Twitch n'aime pas. Ah d'accord. Ah mince alors. Voilà. Censure. Alors on enchaîne après sur le body. Ouais. Ah ça j'aime pas. Body. Bah déjà la question c'est les filles se posent la question est-ce que c'est pour moi le body? C'est-à-dire morphologie. Ça dépend au niveau de la morphologie. Il y a certaines filles qui disent pour le body c'est. Mais c'est vrai que quand t'es grande parfois moi je suis grande j'essaie les body parfois ils sont un peu courts. Il faut trouver un bon body qui se tire. Et moi, par rapport à mon potentiel, c'est-à-dire mes hanches et mes fesses, des fois ça arrive que le body au niveau des fesses et des hanches n'est pas assez couvrant. D'accord. Et que c'est gênant puisque quand je mets un jean ou quoi, ça se voit. Ça fait string. Et est-ce que c'est pas trop? Non, pas du tout. Au contraire, il y a même très des bodies. Agréable, le body. Ça m'arrive body. De trouver. Il est beau celui-ci. Ça m'arrive même d'acheter des bodies parce que je trouve le haut très magnifique, très joli. Mm-hmm. Et alors que je veux pas acheter un body, je veux juste un haut. Mais des fois, ça arrive que c'est tellement bien structuré que je l'achète. Au contraire. Body, c'est un bon cadeau pour sa chérie. Oui, les hommes. Et alors Vraie question. Body ou guépière? Ou quoi? Body ou guépière? Plutôt body, moi. Parce que c'est. Guépière, ça pas à l'ancienne. Ouais, mais. Ça dépend. Ils ont modernisé. Et c'était Ouais. Parce que. Pardon, mais alors ça, tu vois. Mais c'est pas une guépière. Non, mais si tu veux. Arnaud, il a fond dedans, il est trop marrant. T'es dans le principe du body, là. On va pas se mentir. Reconvertis-toi. Non, mais je sais. Vendeur de lingerie. Mais alors, la question avec le body, est-ce que tu mets une culotte ou pas? En plus. Ah oui. Là, tu mets un string. Ah bah bien sûr, et je mets mon body par-dessus. Et pas de culotte. Parce qu'un body n'est pas une culotte, un body c'est un vêtement. Je considère le body comme un vêtement. Justement, j'ai essayé, je suis allé chercher. Il y a des bodies qui n'ont pas de fond. Il y a des filles qui disent, à partir du moment où ils mettent un body, ils mettent donc pas de ça culotte. Ça dépend des filles, rien. Mais moi j'aime bien mettre un string parce qu'il y a des bodies qui s'attachent avec des pressions par le bas et qui n'ont pas de fond. De fond de culotte traditionnelle. Toi c'est le body. Note, on a une cadeau d'anniversaire. Cadeau d'anniversaire. Et alors, il y a aussi un autre moment, parce que il y a plein de choses en fait sur les, comment dire, sur la lingerie. Je pourrais faire ça pendant une heure. Il est enrouillé, il est trop mignon. Il y a l'effet push-up. Vous connaissez le côté? Voilà. Pour celle qui a de ça. Oui. Hop là, t'arrives directement. Mais c'est bien ça. 3 secondes de push-up sur Twitch. Ça permet d'avoir un décolleté pulpeux. Exactement. Pulpeux et plongeant. C'est l'élément qui a changé ma life au niveau de... Pourquoi t'avais rien alors du coup maintenant t'as plus de choses? C'est pas que j'ai rien, j'ai un petit peu et ça a changé ma vie au niveau... T'as changé ta vie? Tu sais quand tu enfiles un vêtement, que tu vois que le décolleté est un peu plat, et t'es content de mettre un joli push-up sans bretelles pour remonter. L'avantage de petites poches, en été tu peux partir sans le soutien-gorge. Bienvenue au club. Ça fait même un peu, un peu sexy aussi, je Exactement, trouve. Moi je trouve très sexy. Ouais. Et d'ailleurs, méfiez-vous, il y a beaucoup d'hommes qui affirment aimer les petites poitrines que les grosses. Qui rentrent dans pas le chiffre exact, mais j'avais déjà lu un article là-dessus que beaucoup d'hommes préfèrent les petites poitrines. Les deux là, ils sont pas d'accord, je crois. Si, alors moi je m'en fous. Parce que je repense à certaines images que j'avais vues. Parce que d'après eux, ils disent que c'est plus facile pour... Il y avait des noms en fait derrière, maintenant vous allez pouvoir m'aider. Qu'est-ce qu'une caraco? Un caraco. Ça parle à caraco, j'ai déjà entendu ça. Un caraco. C'est une culotte?
C'est une sorte de une sorte de nuisette, me semble-t-il. C'est une nuisette mais façon voilà, t-shirt. Ça doit être ça. Voilà, exactement ça. C'est joli ça, c'est mignon. Ah bah oui, je sais, c'est fait pour vous. J'avais plus qu'à commander. On a bien choisi. Le caraco, c'est genre le maillot de corps, c'est le Marcel pour les mecs. En gros, vraiment. Pour les femmes. Et pour les femmes, c'est le caraco. Pour nous, c'est les Marcel quoi. D'accord. D'accord. C'est joli. Et alors après, il y a le fameux panty. Ah le panty, bon ça c'est un peu à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Ah oui. Ah ouais. Pour moi. Même monsieur, pas de panty pour monsieur. Bah quand tu me dis panty, moi c'est pas la jupette que l'on met en dessous la jupe ou en dessous la robe. Pour si la robe ou la jupe est trop transparente, on met un panty en dessous pour cacher, dissimuler. Pour moi je trouve ça un peu vieilleux. Alors nous on est en 2020. Et alors et pour les filles, les couleurs. Parce que tout le monde est d'accord sur les hommes et les femmes, c'est très agréable la lingerie noire. Enfin c'est ça classique. Va avec tout. C'est le chic, c'est une classique chic. C'est lingerie noire, lingerie blanche et lingerie beige, voilà. Couleur peau, chair. Beige. Et après... couleur chair. Cher. Moi je suis pas fan, mais. Pour les et rouge. Autres, quand tu veux que ça soit rouge. Et alors il y a deux autres couleurs. Pour les filles en général, après le noir, c'est le blanc qui vient en premier. Oui. Voilà. Et pour les hommes. Rouge. Voilà, oui, c'est le ça, rouge. C'est logique. Et alors, est-ce que il se passe quelque chose? Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un sein, un sein? Ouais, avec rouge. Enfin, un soutien rouge, soutien-gorge. Il va y arriver. J'ai un soutien-gorge rouge. Oui. Et j'ai une chemise blanche. Qu'est-ce que ça donne? Elles hésitaient. Il y a certaines filles qui hésitent à faire ce genre de choses. En vrai, pour avoir eu une amie qui faisait ça, mais avec un soutien-gorge rose pétant, ça choque pas. Ça dépend de la fille. Ça dépend de la fille, effectivement, mais ça choque pas. Parce que franchement, ça choque pas. C'est pas vulgaire. Non, parce qu'en plus, alors, ce qui je trouve plus joli, par contre, c'est d'avoir un soutien-gorge sans dentelle et juste uni, parce que si tu mets la dentelle par-dessus le truc, par contre, ça fait des formes, c'est un peu bizarre. Mais s'il est uni et que c'est par transparence que tu le vois, ça fait un peu sexy, un peu ce que tu veux. Mais ça fait pas, c'est pas cheap quoi. C'est agréable. Franchement, c'est agréable. C'est pas non plus pervers ou trop sexy au point d'avoir des connards qui vont la siffler dans la rue. Je vois qu'Arnaud est déçu. Non, mais c'est la question de goût aussi. Peut-être. Moi, je préfère que ça ne sera pas transparent. Après, ça n'est pas chaque fois. Ça dépend du contexte aussi. Si tu vas, où est-ce que tu vas, ou c'est pour un tracassine qu'on te demande de t'habiller comme ça. Ou... Ça dépend. Alors, je termine pour l'effet de la lingerie chez les filles. Parce que j'ai commencé par les garçons, en fait par les filles. L'intérêt, c'est de célébrer le corps de la femme, de souligner ses. Le plaisir de se sentir belle et désirable, on est d'accord. S'autoriser à être belle et désirable, c'est fait pour s'approprier sa sensualité. Ça donne confiance en soi. Ah. Ouais. Pour se plaire à soi-même. Exactement. D'abord, avant de plaire aux autres, c'est important. Voilà. Faut s'aimer soi-même. Alors, et se plaire soi-même. Est-ce que la lingerie, c'est tous les jours? Ou est-ce qu'il y a des jours où vous dites « Ah, tiens, je vais sortir la guépière » ou « Je vais sortir le côté sexy ». On va pas se mentir, il y a des femmes, c'est ce que je suis en train d'afficher sur Twitch, c'est plus ça, il y a des jours, c'est vraiment ça. Hein. C'est le truc moche, dégueulasse, inconfort. Il y a des périodes où nous, les filles, on peut pas se permettre de porter de la belle lingerie, c'est durant les menstruations. On est obligé de mettre des culottes appropriées pour cette période. On peut pas porter. C'est pas généralement le moment où vous sentez glamour de base. De la belle lingerie à 90€ la culotte. Voilà. Donc c'est durant cette période, la lingerie, c'est niette. C'est moyen 90 balles pour un bout de tissu pareil. Ouais, j'espère parce que la lingerie. Non, mais il y a tellement de prix, il y a plus cher que ça. Hein. Oui, non, mais bon, c'est bon quoi. Voilà, c'est durant cette période, moi, que je me permets. On me dit Técos, cette période-là, hein. Qui a à plaire à qui? Et alors, la lingerie de luxe, c'est à partir de combien? Vous mettez combien, les filles, pour votre lingerie? Les dernières, par exemple. Dernièrement? Ouais. En moyenne. En moyenne. Si on oublie la fameuse marque qui commence par Un et qui finit par 10, à combien vous êtes? Non, mais ça dépend. 30€, ça dépend, en moyenne. Ouais. 30 euros pour l'ensemble. Déjà, nos jours, c'est pas donné. Vous allez où? C'est vrai que c'est assez cher. Allez où pour vos partout sous-vêtements? Vous allez à Carrefour ou au bas des TAM, Carrefour, Auchan, ça dépend de ce que je recherche. Vous allez vraiment au magasin de lingerie?
Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Après, c'est vrai que les magasins La dernière fois, magasin de lingerie pour vous. Les la magasins, dernière fois, les magasins quand de lingerie. Vous avez acheté un truc. C'était quand Olga, il y a un mois environ. Il y a un mois. Et toi? Non, il y a quelques jours, je me suis fait un cadeau. Je ne me souviens plus non plus exactement. Mais c'est vrai que les magasins de lingerie. Qualité, il n'y a pas photo au niveau des soutiens-gorge. Quand tu achètes un soutien-gorge dans un magasin de lingerie spécialisé, le soutien-gorge ne bouge pas, t'as beau le laver, tout ce que tu veux. Mm-hmm. Après, c'est vrai que des fois, en grande surface, il peut y avoir des surprises, surtout au niveau des baleines qui s'en vont et plein de surprises de dégorgement. Le pervers avec. Ah, mais je n'ai pas de décolleté très cher, Arnaud. C'est donc un investissement, en fait. C'est donc un investissement. Tu me fais trop rire. Et puis je termine par les marques, parce que j'ai, je sais pas lesquelles vous préférez, j'ai du Sloggy, j'ai Obad, j'ai Épure de Lille Charmel, Simone Perel, Maison Le Jabi, Triomphe ou Wakawal. Vous connaissez ouais, mais là, Sloggy j'aime bien moi, pour pas de Maison Close. Maison Close je veux m'inscrire avec toi, on va où? Non, c'est très sexy Maison. Ah, oui. Maison Close. Ah. Et moi Sloggy pour le confort et le classique de leur culotte. J'ai envie de faire ça. Un Sloggy, ça donne pas envie. Hein. Quand tu vois, c'est des slips blancs non, classiques. Mais c'est lunettes du pervers. Il fait comme le marque-tape. Un gros pervers. Voilà. Il y a quand même un truc qu'Arnaud n'a pas cité qui est en vogue maintenant depuis longtemps. C'est glamour, mais ça tend quand même à venir sur le glamour. C'est la brassière. Moi, je connais pas. Ah, la brassière, si, c'est pour le sport et tout. C'est la révolution. C'est pour le côté sportif. Voilà, ça. C'est la révolution du soutien-gorge sans les armatures, exactement, sans les bretelles, sans le fer, enfin, toutes ces conneries-là. Et ça devient vraiment un accessoire glamour. Oui. Quand tu vois les grandes marques, les grandes marques à la Calvin Klein, les Tommy Hilfiger, tout ça, des grands trucs un peu, pas cheap, mais un peu, voilà, tendance, on va dire, de maintenant. Ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent juste sur la brassière. Une brassière, c'est 30 balles en moyenne. Et on a toutes les couleurs, tout ce que tu veux. Mais si tu veux, ça vous fait quand même un bon maintien. Ça vous fait une belle forme pour, par exemple, même les petites poitrines, ça fait quand même une belle forme sans être trop push-up. C'est toujours le truc des vieux. Ah, un truc bien. Tu veux ça ? Vas-y, je te mets ça. Vas-y, cadeau. J'ai laissé cette photo-là pour vous. Effectivement. Cadeau. Arnaud, il y a comme 10 ans ça, en arrière. Pas que les meufs. Arnaud, avant. Et pour Arnaud, les hommes, est-ce que la lingerie est importante ? Oui, mais étant donné que c'était ma chronique à moi, je me suis occupé que des filles. Mais n'hésitez pas, hein, pour vous, les lingeries masculines. Non, mais masculines. Pour vous... Oh, bah, ouais. Vous, il n'y a pas grand-chose, un string, boxer, voilà. Est-ce que vous passez kangourou aussi des heures, regarder non, moi, je ne perds pas... Non, c'est pas la même... Plus le confort. Voilà. Et fini. Puis, je ne vais pas dans un... lingerie pour hommes, là, à ce moment-là. Ah non, mais moi, je te parle... Est-ce que tu as une copine, tu vas l'accompagner dans la boutique de lingerie, acheter avec elle, choisir avec elle et tout. Ça peut se faire, comment dire, pendant les fêtes. La Saint-Valentin. Ah oui. Ça peut se faire à Noël, un peu avant Noël. Mais en dehors de ces périodes, c'est niette. Bah, par contre, ça dépend. Ça dépend de... Il n'y a pas besoin de fêtes pour acheter de la lingerie. Ça dépend du budget. Ah. T'as plus de budget, alors du coup, non, mais c'est elle qui prend en charge son... Ah, madame est indépendante, elle veut se faire plaisir. C'est pour les conseils. Tu n'as pas une honte ou quelque chose Parfois, les hommes, ils sont gênés. Il y a des hommes gênés d'accompagner leur copine dans une boutique de lingerie. Coucou, c'est moi. Ah bon ? Pourtant, tu connais tout. Tu nous expliquais même la différence entre les... C'est pas parce que t'es curieux et renseigné sur un sujet que forcément... Non, mais en fait, c'est pas que je suis gêné. C'est que c'est les vendeuses qui me gênent. Ah bon ? Désirée ? Non mais vraiment, c'est vraiment les vendeuses qui me gênent. Alors déjà dans un magasin de base, c'est l'enfer, mais alors quand c'est dans un magasin de lingerie féminine, chez taille. Voilà quoi, enfin en mode bon, c'est pour offrir. La nana, je suis à côté, je sais ce qu'elle veut quoi, fais pas chier quoi. Bon voilà. Mais non, c'est surtout pour c'est les vendeuses moi qui me pressent un peu dans les magasins de lingerie. D'accord. Mais dans tous les magasins de base, mais bon, ça c'est un autre problème. Et je peux refaire une chronique lingerie la prochaine fois. Hein, si vous si tu veux. Déjà, celle-là, elle est très complète, moi je trouve. C'est très bien. Hein. Complète, non. Je pense que ça a réveillé le matin. Non, ça a réveillé. Ça a réveillé qualité, ce matin, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Merci. Mais oui. Et même des personnes de la diversité, c'est très beau. T'as vu ? Ah, enfin, tu parles de nous. Voilà, la diversité. Et elle est très jolie. Bon, pas le high stock, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Mais par contre, tu vois, à chaque fois sur les photos, je me dis ah, une fois et je les vois plus après, si tu veux. Oui, mais c'est bien. C'est bien. T'en as déjà bien abusé, je pense, en préparant ta chronique, ça suffit. Ça, c'est du soft, hein. On les a assez rapidement en plus. Oui. Hein. C'est ultra soft, mais par contre, c'est soft. Ouais, ce que tu marques, voilà.
Voilà. Enfin, c'est toutes, mes, toutes mes copines. Non, mais c'est mes copines d'avant, si tu veux, à l'époque. Ouh. Et là. Bah, en vrai, elles sont très jolies, tes copines d'avant, quand même. Ouais, mais elles étaient un peu con-con. Ah oui, bah alors ça, peu... ça, je suis désolé pour toi. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. C'est... Bon, j'espère que, en tout cas, lingerie, c'est toujours un très beau cadeau. Oui, oui c'est un très cadeau, beau cadeau. Et même si vous voulez pas, si vous êtes gêné, amener votre copine dans la boutique, c'est vrai que vous pouvez toujours faire un chèque cadeau et lui offrir un bon d'achat, un bon ensemble, oui, un bon ensemble de lingerie. Et est-ce que lingerie, ça fait durer l'amour? Ah, j'en sais rien. Oh, peut-être le plaisir, l'amour charnel. Si, ça entretient en fait justement le couple, parce que dans ce cas-là, il y a des jeux qui arrivent qu'on n'avait pas forcément. Parce que le côté, là, oui, voilà. On parle de relation, mais le côté esthétique, c'est toujours aussi important de se bien soigner pour être attractive pour ta compagnie, je pense. Et pour confirmer, pour les hommes, s'ils vont, comment dire, avec la femme, comment dire, en magasin, c'est pas pour faire de la lingerie classique. En général, c'est pour faire de la lingerie fine derrière. Mm-hmm. Tu vois. Pas pour faire. Qui n'est pas confortable dans un supermarché, son copain au rayon lingerie d'un supermarché, c'est différent. C'est plus fonctionnel, mais c'est vrai dans les boutiques de lingerie. Non, c'est pas confortable. Ça l'ancienne, je trouve. Mais je sais que c'est la fantaisie, je pense, de chaque homme, les pommes jartelles. Bah oui, c'est pour ça. Donc faites plaisir quand même de temps en temps. Oui. C'est ça. Bah, vous pouvez venir comme ça, comment dire, bonjour chérie, spécial lingerie. En été. D'émission déjà, là, on a chauffage ici, très chaud, je crois. Je pense qu'il faudrait aller comme ça. Bah, mais elles veulent pas, les filles, elles ont des difficultés à venir sur sexocratie. Bon, je pense que déjà on a très chaud après ta chronique. Oui, là, n'est-ce pas? Je crois qu'on va faire une pause musicale là. Les bouffées féminines, c'est ça? On va faire une petite pause musicale et on revient sur les sujets. Quelles sont les clés de bonheur? Alors, à tout de suite. Et vous êtes au nouveau chez Bonjour Chérie. L'émission parle de l'amour. Aujourd'hui, c'est le sujet glamour et l'amour. Ce matin, on a parlé de lingerie, comment séduire son partenaire, comment choisir cadeau pour sa chérie. Donc, si vous avez, pour quelque raison, vous avez manqué le matin... Et choisir sa chérie aussi. Surtout, ça, c'est important. La bonne personne. Vous pouvez revoir notre émission sur Twitch ou sur notre chaîne YouTube IRM Radio. Et encore, on a un sujet important, parce qu'on parle de glamour, mais est-ce que glamour, c'est le bonheur? Est-ce qu'il y a le lien entre le glamour et le bonheur? Et quelles sont les clés pour être heureux dans un couple? Jennifer, je crois que tu as quelques idées. Oui. Alors, comme tu dis, est-ce que le glamour résonne avec amour, on va dire? Oui. Le glamour a une part dans un couple. Et la question que j'avais au début, sans argent, pas de glamour ou pas? C'était non. Pas là le début et... Non, parce qu'on n'est pas obligé d'être, d'être riche pour avoir du glamour. Le glamour, ça peut être un charme aussi naturel que chaque femme et chaque homme ont en eux, et donc quelque chose qui ne s'achète pas et quelque chose qui ne s'apprend pas. Il y a un côté glamour en chacun de nous. Après, ça dépend ce que c'est. Par exemple, on peut être glamour, comme tu dis, pour parler d'une façon, pour parler du côté onéreux, à travers les vêtements, de la belle lingerie, être glamour. Mais il y a aussi être glamour dans les gestes, la manière de boire une tasse de thé, de boire un café. On peut être glamour sans avoir à ouvrir son porte-monnaie. Très charmant. Oui, on se fait inviter. Alors, moi, je vais vous dire comment on fait pour reconnaître un couple heureux. Parce que c'est vrai que dans notre cercle d'amis, notre cercle familial, des personnes, et, oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons, ils ont l'air heureux, ils sont trop mignons. Alors, la règle numéro une, déjà, soyez les meilleurs amis du monde. Pour être glamour? Pour être heureux. Pour être heureux. Je te donne des conseils pour être heureux en couple. D'accord. Alors, en fait, une personne nous fait vibrer émotionnellement et sexuellement, d'où le côté glamour. Surtout qu'elle soit une personne sur laquelle on peut compter à n'importe quel moment. Un confident, quelqu'un à qui on peut tout dire. Et quelqu'un avec qui on peut... Et surtout, une personne qui ne vous jugera pas. C'est le concept de l'âme sœur, en fait. Exactement, c'est le concept de l'âme sœur. Je crois beaucoup à ce concept, comme vous pouvez le constater, parce qu'à chaque fois dans mes chroniques, ce concept... C'est-à-dire qu'on la trompe.
ce concept on ressort. Pas, c'est ça. Hein. Non. Je te trompe, mais tu ne juges pas. Quand je dis tout se dire, c'est-à-dire dès le départ, être direct, ne pas cacher ce qu'on a envie de dire ou d'avouer. C'est dès le départ être franc les uns les autres, pouvoir se confier à son partenaire, c'est-à-dire avoir confiance en lui. Et surtout... pouvoir se confier sans que la personne soit susceptible, c'est-à-dire pouvoir faire des remarques librement, des critiques librement, sans que la personne soit susceptible. Puisque la susceptibilité peut apporter des fois les disputes. La susceptibilité ? La susceptibilité peut apporter les conflits et les disputes. Et cela peut enlever, peut faire en sorte que l'un des deux, que les sentiments coulent, quoi. Voilà. Mais la susceptibilité implique une personne susceptible, si vraiment elle prend la mouche à la moindre remarque, c'est qu'il y a vraiment un fond de vérité dans la remarque qu'elle prend. Sinon, elle serait pas susceptible. Bah, c'est ça. C'est ce que je. Faut être logique à un moment donné. Qu'est-ce qu'il faut faire avec Parce que la ravaler. La ravaler. Ah oui. La ravaler, écouter, enfin, puis poser le sourire. Il y a quelque chose qui sort, qui va sortir. Mais non, mais il y a des personnes pour une petite remarque qui sont très susceptibles. Voilà. Lesquelles? T'en as quelques-unes, tu vois, pour éviter. Il y a des tas de personnes qui disent, tiens, faut pas dire des choses comme ça. Lesquelles, c'est-à-dire? La susceptibilité. Non, il y a les personnes un peu fragiles. Peut-être c'est les personnes qui n'acceptent pas les remarques. On avait fait le cours sur la critique avec Richard dernièrement, si tu te souviens. Comme quoi qu'une critique bien construite, évidemment pas une critique dans le but de descendre la personne, une critique constructive, bien formulée, peut faire avancer, peut t'aider à avancer, peut t'aider à t'améliorer. Mm-hmm. Mais après, il faut vraiment accepter. Comme dit Anthony, je suis un homme, il y a le côté domination, oui, etc., le côté cassant. Oui, mais il y a des hommes, comme on dit, il faut de tout pour faire un monde, il y a des hommes susceptibles, il y a des hommes qui acceptent très bien la critique. Mm-hmm. Et d'ailleurs que je félicite. Mais tu te rabaisses pas à moi. Non, c'est pas se rabaisser. Ah bah si. S'il se vexe, c'est qu'il y a une raison. Comme dit Anthony, je suis d'accord. Si la personne, tu lui fais une remarque ou une critique et qu'elle se vexe, c'est qu'il y a une part de vérité dans ce que tu dis. Tu ne te rabaisses pas à moi. Non, tu te rabaisses allez, pas. Jennifer. Je pense pas que ce soit qu'une question de rabaisser. Si tu aimes quelqu'un, en tout cas, tu n'auras pas envie de le rabaisser. Même si tu le fais à la critique, exactement, tu vas le faire avec délicatesse. Je ne vais pas te rabaisser. Quand tu fais une critique. Elle est trop grande. Quand tu fais une critique à quelqu'un que tu aimes, c'est vraiment dans le but, parce que tu l'aimes, c'est tout. Parce que tu l'aimes, tu as envie qu'il évolue, tu as envie qu'il s'améliore. Et. Si la personne n'accepte pas et susceptible, bon, une fois, deux fois, ça peut aller, mais voilà, quand c'est sans arrêt, il y a des moments où ça peut être un peu pesant dans le couple. Alors, la règle numéro 2. Établissez des bases solides, des bonnes bases. C'est-à-dire, dès le départ, mettez-vous d'accord déjà sur vos goûts, parce qu'il y a des couples libertins. Si vous êtes tous les deux libertins, si vous êtes d'accord de suivre ce mouvement, si vous êtes quelqu'un exclusif, si vous voulez être à vos yeux, aux yeux de votre partenaire, quelqu'un d'exclusif, ça veut dire être l'unique personne, vous n'accepterez pas qu'il vous soit infidèle et autre, ou voir si vous acceptez que votre moitié aille voir ailleurs. Ah oui. Je connais j'ai vécu au Japon et ça se fait beaucoup ça se fait beaucoup au Japon. Ah oui. Il y a des couples qui sont ensemble parce qu'ils s'aiment et tout, mais il y a des choses, des pratiques sexuelles que madame se sent mal à l'aise. Comme ou par autre. Exemple, il y a des choses qu'on peut pas faire. Celles que tu penses, Arnaud. Et Il y en a beaucoup, c'est pour s'il ça plaît, c'est Arnaud. La sélection. Voilà. Je sais pas. Toutes celles dont mais je sais pas, penses. Je suis pas japonais. Et le sexe, c'est universel. Hein. Ça, s'il n'y a pas de manière à la faire à la japonaise, à la française, à l'américaine, à la russe, c'est universel. On fait les mêmes choses sexuellement. Bon, alors, pour revenir à ma chronique, il y a des couples qui s'aiment sentimentalement, qui ont vraiment une bonne connivence entre eux, mais qui sexuellement sont incompatibles. Oui. Ça existe au Japon. Madame peut autoriser monsieur à sexuellement voir ailleurs. Ah, c'est bien le Japon. Mais pas l'inverse. Eh oui, faut le préciser parce que on est en 2020 et on n'a pas tout changé. La femme n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut.
il a le droit, mais pas la, la femme. C'est bah, ça. C'est un peu la société traditionnelle. C'est un petit peu, on va dire, normal que monsieur... C'est bien normal. Que madame reste à la maison, s'occupe des enfants et surtout n'aille pas voir ailleurs. Mais c'est bon, historique. Après, on peut pas aller vérifier chacun des... Mais c'est une des règles pour établir des bonnes bases. C'est établir les bonnes bases dans un couple, c'est déjà la règle, comme ça, dès le départ, on sait où on va en couple. Donc ce qui est permis et ce voilà, qui n'est pas permis. Ce qui est permis, pas permis, ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas également. Comme ça, vous savez dès le départ s'il y a compatibilité ou pas. Mmh. Ensuite, il faut vraiment être épanoui, je reviens à cette partie, être épanoui sexuellement. Sexuellement. Ah, mais tu peux pas être, confirme-moi, tu peux pas être épanoui tout de suite, tout le temps. Bah, si tu aimes, si, tu crois, tu aimes ton partenaire, il y a pas tu de raison. Tu peux t'épanouir tout le temps. Il bah, y a oui, pas oui. des moments de chute bah, ou de évidemment, de on va pas ça. Faire ça tous les jours 24/24. Mais ça dépend de la performance, jeune fille. Aussi, il y a le épanoui, moment de chute, il faut aller acheter du lingerie. Voilà, c'est ça, avec Arnaud, qui va vous se faire un plaisir de vous conseiller. Alors, c'est une partie qu'il ne faut pas négliger. Comme j'ai dit précédemment, se mettre d'accord sur les envies de chacun pour être en harmonie sexuellement et ne pas ainsi être déçu ou voir faire des choses qui déplairaient peut-être à l'autre partenaire. Et surtout, tu vas parler dernière des... clé... Des femmes fontaines ? Non, c'est pas, non, c'est pas, pas le sujet. Pas dans le sujet. Fontaine, c'est pas glamour, ça. Mais Arnaud, il s'est trompé d'émission, il faut que j'aille sur sexocratie. Non, mais c'est vrai, il y a deux émissions, je crois, on a parlé de sexe et de l'infidélité et de fidélité. On a évoqué beaucoup de choses intéressantes, donc vous pouvez le revoir sur YouTube. Justement, on a parlé de libido et de... Ah, j'étais là, je crois. Oui, t'étais là. Est-ce que le sexe joue le rôle primordial dans un couple ? Pour qui c'est important et pour qui c'est moins important ? Et on a évoqué des choses très intéressantes. Donc, je vous conseille de le réinvoquer, très cher Arnaud. Je t'invite à revoir la chronique. Je t'invoque aussi. Sur quelque Twitch. Chose. Alors, oui. Et dernière partie, dernière clé. Ah. J'espère qu'on a encore du temps. Oui, oui. Oui. Savoir communiquer et jouer l'honnêteté. C'est-à-dire être direct dès le départ, savoir communiquer pour éviter toute dispute. Parce que ouais, mais quelquefois, si tu sais, avec l'honnêteté, quelquefois, l'honnêteté, oui, c'est un peu mieux, compliqué. Oui, tu vois, mais vaut mieux être c'est... honnête dès le départ ouais. qu'un mensonge qui fait du bien, un mensonge sur mensonge sur mensonge, et après, poum, ça éclate. Et, ouais, il vaut mieux et que là, ça éclate a... comme ça. Un mensonge ou un non-dit. Heureusement. Hein. Ou un non-dit. Un non-dit aussi. C'est, un non-dit c'est, genre... fait parfois plus mal qu'un mensonge. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs, je vous parle de la franchise, d'être direct et de surtout communiquer, comme dit Anthony, pour éviter les non-dits et après faire en sorte qu'il n'y ait pas de dispute. Parce que les non-dits et les mensonges entraînent par la suite les disputes. Parce que c'est dans les disputes, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça éclate, c'est là qu'on voit le vrai caractère de la personne. Tout ce qu'elle vous dit. Il faut être attentive quand la personne est en colère, c'est là qu'il faut bien écouter, avoir l'oreille attentive. Tout ce qu'elle vous dit, c'est là que même vous êtes étonné, vous faites « Waouh, mon Dieu, ah oui, c'était... on est en couple, tu penses ça de moi, quoi, tu vois ?» Donc, pour éviter cela, il faut vraiment, dans la vie quotidienne, ne pas hésiter. Tu aimes, tu aimes pas, tu le dis, tu veux pas, tu le dis. Quelque chose ne t'a pas plu dans tel comportement avec une personne lambda. Il faut dire tout de suite, il ne faut pas attendre que ça grossisse pour après que s'exploser. Ça soit conflictuel. Oui, mais comment tu fais quand tu as envie qu'il y en a un sur les deux qui dit « moi je veux rompre, c'est terminé ». Oui, mais ça, tu vois, c'est... Tu... Comment ? De quoi ? J'ai pas compris. Bah, quand un des quand deux partenaires... Quand tu en as un des deux, oui. qui dit dans sa tête, il se dit « bah ouais, mais moi je pense que j'ai envie bah oui, d'être il faut le dire, dire si tu faut veux. Le dire. Bah s'il veut rompre, bah ouais, oui. Mais t'as pas envie de choquer ou en tout cas de la déception. Bah non, tu vois, mais... Donc tu laisses tomber, enfin tu fais à la, tu joues l'usure. Non, pas du tout. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise « je veux rompre ». Et moi, je considère mais que chaque personne... Mais tu l'as bien oui, pris. Parce que moi, dans ma tête, chaque personne est libre. Chaque personne est libre. Une personne ne t'appartient pas. C'est une grosse faute de dire « tu m'appartiens, t'es à moi ». Parce que chaque personne est soi-même. Et, chaque personne, malheureusement, ça marche pas comme ça, Arnaud. Chaque personne est soi-même, une personne ne s'appartient pas. Moi, si du jour au lendemain, il venait à me dire « moi, je veux rompre », bah, je veux pas le retenir, il est libre. Voilà. Après, c'est vrai qu'on passe mais de bons moments ensemble. Justement, il y a le chagrin derrière. Tu vois, le but, c'est d'éviter le chagrin. Mais oui, je dis, oui, plus le chagrin, tu traînes le ça, temps, plus, mais... plus le chagrin sera c'est plus dur, grand. C'est dur, sur le coup. Mais je sais pas si vous avez remarqué qu'on rompt
quand on a rompu, c'est dur sur le coup, et après il y a, après, y a un soulagement, un vide, et ça repart à zéro, la Terre continue de tourner. Donc faut surtout pas, mes amis, auditeurs et auditrices, si vous nous écoutez, ne vous effondrez pas sur une rupture, allez de l'avant et dites-vous que vous êtes merveilleuse et jolie et que quelqu'un sur cette Terre vous mérite, voilà. Ouais, oh, autorise c'est... quand même les gens à bader 10 jours quand même. Hein, parce que, ah oui, bon, bien sûr, je ne dis pas en 3 jours, ça y est, faut quand même accuser de contre-coup. Il faut vraiment, voilà, faut vraiment exorciser et faire le deuil de la... À chaque fois, ça, voilà, il y a un sourire au bout d'un certain temps, on retrouve le sourire. Il était une fois une princesse. Voilà. Non, mais savoir faire les relations, c'est aussi de savoir les rompre. Parce que tu ne peux pas jamais garantir que tu vas rester toute la vie avec cette personne. Ah, et vous avez fait l'inverse temps. Aussi ah, j'ai, on a rompu, mais quelques mois après, je regrette. Oui, tu peux regretter après. Ah, oui. Ou vice-versa, la personne qui a rompu avec toi, elle regrette. C'est possible aussi. Ça arrive aussi. Et là, toi, ça caresse là, notre ego. C'est fini. tu lances un gros. Non, mais c'est très bien ce que tu dis. Moi, je me renseignais aussi qu'est-ce que fait les couples heureux. J'ai trouvé aussi une chose intéressante et à mon avis, c'est bien. Parfois, on oublie ce qui aussi peut renforcer et faire notre couple plus solide. Ce sont des rituels. Je ne sais pas si vous prêtez l'attention à ça. Les rituels sataniques ? Mais non. Non. J'ai regardé les... Ça, alors, juste, moi, j'ai un contre-argument à ton rituel, c'est la routine. Justement, c'est le risque. Justement, le mot routine, les experts te proposent de la remplacer par le mot rituel. Ça dépend avec quelle attention tu le fais. Même les choses de routine, comme par exemple faire la WC ou de sortir sac poubelle ou des choses comme ça, tu peux le faire toujours avec... En train. comme dans la langue, en chantant mais et tout. Non, mais de manière plus romantique. Mais c'est vrai, des choses qui sont en routine. Faire les courses ou, je sais pas, préparer un petit déjeuner ensemble, faire des choses. Tu peux inventer des rituels et c'est ça aussi ce qui peut renforcer votre couple. Aussi, on pense que le rituel, c'est quelque chose qui nous. C'est une action, mais c'est aussi l'occasion de parler. Par exemple, si vous faites quelque chose ensemble, mais dans la vie quotidienne, vous êtes toujours au travail, vous n'avez pas beaucoup de temps de communiquer, c'est l'occasion de parler, de bavarder, le temps que vous faites la vaisselle ou des choses ensemble. Et aussi, le rituel nous aide de se battre les pensées négatives, parfois, on se pose les questions, est-ce que je veux être avec cette personne? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes dans notre relation? Des choses destructives dans notre tête? Justement, le rituel, c'est une action qui nous permet de sortir de ces pensées et de faire quelque chose pour ne pas se brouiller dans les pensées négatives et parce que ça ne sert à rien. Donc, plutôt, au lieu de penser peut-être à quelque chose ne va pas avec mon partenaire, faites quelque chose ensemble, ça vous permettra de parler et de peut-être inventer de nouvelles choses et renforcer votre couple pour... Parce que toute activité ensemble, ça nous renforce. C'est vrai, ça crée... Aller acheter lingerie ensemble, par exemple. Ah oui. Je vais vous suivre. Vous allez où dans l'après-midi? Ça peut être aussi un rituel. C'est ce que j'ai regardé aussi. J'ai regardé une interview d'un couple qui... Ça fait 21 ans qu'ils sont ensemble et ont 4 enfants. On les a posé des questions. Qu'est-ce que fait durer leur couple? Est-ce que c'était la magie ou la volonté? À votre avis, est-ce que c'est plus... La volonté. Ouais, il y a des hauts et des bas. De toute façon, pour la magie, de toute façon, il faut de la volonté et de la foi, de la croyance. La femme et les réponses, c'était une décision commune. On a listé ce qui pourra nous séparer et... On a décidé de les éviter. Et autre point fondamental de notre couple, c'était l'indépendance, la parole, la confiance et le rire. Voilà les clés. La communication, en gros. La communication, quoi. Les clés de réussite. Après, on le pose la question, est-ce que les enfants, ça soude? Ça saoule. Ça saoule. Ça saoule, mais ça ne saoule pas, non? Ça saoule. À l'école. Il y a beaucoup de couples qui se plaignent qu'avant les enfants, ils étaient très proches et tout, ils avaient le temps pour eux. Et depuis qu'il y a les enfants, de se consacrer qu'aux enfants et de ne même plus avoir le temps de se voir à la maison et autres. Donc je dirais oui, ça peut... non, pardon, ça peut... Il faut avoir les grands-parents juste à côté.
Oui, exactement. Et leur réponse aussi, c'est non. En fait, la première année après avoir eu les enfants, c'était difficile. Et à leur avis, ça peut parfois même plus diviser le couple au lieu de les renforcer. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, ne pensez pas que les enfants, ça peut les sauver. Mais qu'est-ce que tu as fait à maman? Non, il est où le bras de maman? T'inquiète pas, mon chéri, il est pas loin. Aussi, l'autre question qu'on les a posée, est-ce que la fidélité, c'est nécessaire? La fidélité? Oui. Bah oui. Bah, comme j'ai dit, oui. Ça dépend des couples. Ça dépend des couples. Y a des couples. Bah pour toi, qui par exemple. Ah, moi, c'est nécessaire. Ah non, moi, je joue l'exclusivité. Ah. Déjà, moi, mon homme, il est exclusif. Donc, moi, je veux la même chose, je veux un retour. Hein. Attention, il m'écoute. Là, hein. Ah, oui, bon, c'est ce qu'il dit. Donc, il est là. Mais moi, je trouve. Et toi, Olga? La fidélité? Non, ou... pour moi, la fidélité, parce c'est que je t'ai très vu en important. Soirée, c'est pas toi, non? Non, non. Non, non. Moi, je sors pas. Tu sors pas? Ah, ils viennent chez toi. moi, je trouve. Elle a pas le temps de sortir. Ouais. Tout à fait. Moi, je trouve la réponse d'une femme est très sage. Si jamais tu me trompes. Oh, je suis pas non, d'accord. Je vous lis. La femme est sage. Mieux, hein. Si jamais tu me trompes, débrouille-toi pour que je ne le sache pas. Ah, tu vois, moi, elle accepte. Donc, mais c'est bien, non, c'est bien non, une parole de femme trompée, ça. Non, je pense qu'elle accepte que tout peut arriver, mais au moins, si c'est pas sérieux, je pense, il vaut mieux ne pas le dire. Ne rien dire. Toi, oui, on t'a rien si dit. Si l'homme n'a pas une double vie, s'il n'est pas oui. amoureux de quelqu'un d'autre, pour elle, c'est mais pas mais nécessaire. Mais attention, c'est attention si elle se rend compte. Le fameux coup de ah, j'étais bourré, j'avais vu une tourtelle. Bon, d'accord. C'est le truc pas d'accord, tu sais. Ouais. Donc bon. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup de couples de plus de 15, 20, 25 ans de mariage qui savent très bien ou qui prennent en compte qu'il y a déjà eu des coups de canif dans le contrat, comme on dit. Mais comme c'est passé, par exemple, c'était il y a 10 ans ou 15 ans, ils ne vont pas revenir dessus. C'est fait, tant pis. C'est, voilà, ça a été découvert 15 ans après, on s'en fout. C'est fait, c'est... Voilà. Il n'y a pas eu d'incidence réelle, ils sont toujours là, ils sont toujours amoureux, bon, voilà. C'est déjà arrivé. Il y a des couples qui sont moins tolérants et il y a des couples qui, voilà, qui se disent, bon, c'était il y a X années, on s'en fout. Donc, toujours soigner votre couple. La question de l'infidélité, c'est toujours primordial. Voilà, c'est la Russe qui le dit. Et comment survit le désir? La réponse d'une femme, ce qui m'a plu aussi, ce qui me semble incroyable, c'est que mon mari m'a toujours regardé avec le même regard gourmand. C'est-à-dire comme la première fois, le premier regard qu'il a posé, c'est continu. Donc c'est un couple très amoureux. C'était quel... C'est pas un couple connu, c'était juste un couple qui était ensemble 20 ans, il n'y a pas les noms. Non, mais c'est pour savoir. Oui, mais ils ont un couple depuis 21 ans, ils ont 4 enfants. Donc c'est très beau, je les félicite, ouais. J'espère qu'ils sont toujours ensemble. Ils ont pris 20 ans ferme, plus 4 gosses, allez. Bon, en tout cas, moi je souhaite à vous toutes les femmes que votre mari ou votre chéri vous regarde toujours avec un regard gourmand et pour cela soyez toujours belle. Suivez les conseils d'Arnaud pour acheter de lingerie, être toujours attractive et surtout essayez de vous épanouir pour être attractive intérieurement. Et glamour. Aussi, et glamour. Et glamour, vu que c'est le thème de l'émission du jour. Donc oui, c'était glamour et l'amour. Vous pouvez revoir notre émission sur notre chaîne YouTube ou et sur Twitch. Et un message aux amants. Maîtresse, parce que je le favorise pas, je suis pour la fidélité et la famille. C'était Bonjour Chérie avec vous, c'était Olga, Arnaud, Jennifer et Anthony. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Wesh.